voici une courte capsule en lien avec le processus d'inscription pour notre programme langue et multimédia, ainsi que pour le profil sport. Je commence avec le programme langue et multimédia. Donc, ce programme est offert uniquement qu'aux élèves qui résident sur le secteur de PGO, de Paul-Germain-Hostigui, ou sur le secteur de MET, Mgr Euclide Théberge. Donc, pour les parents, pour les familles qui habitent sur le secteur PGO, l'enfant doit remplir le questionnaire motivationnel et fournir le bulletin de cinquième année. Pour les parents, les familles qui habitent sur le secteur de MET, vous devez également, l'enfant doit également remplir le questionnaire motivationnel et vous devez fournir le bulletin de cinquième année, plus une demande de choix école. C'est la nuance entre les deux secteurs. Nous allons corriger les questionnaires motivationnels. Nous communiquerons également avec les enseignantes de sixième année pour parler de votre enfant et voir si c'est vraiment un élève qui aurait sa place dans notre programme langue et multimédia. Ces questionnaires motivationnels doivent être déposés au plus tard le 24 septembre, soit au secrétariat de votre école primaire ou directement ici au secrétariat de PGO. Par la suite, nous allons, comme je vous l'ai dit, corriger ces différents questionnaires, prendre rendez-vous avec les enseignantes primaires et ensuite, à partir du 4 octobre, nous serons en mesure d'envoyer les réponses. Pour ce qui est du profil sport, bien, ce profil s'adresse uniquement aux familles résidant sur le secteur de PGO. C'est exactement le même principe. Donc, l'élève doit remplir le questionnaire motivationnel et vous devez joindre le bulletin de cinquième année. On communiquera également avec les enseignantes de sixième année pour voir si ce profil correspond exactement aux élèves qui en ont fait la demande. Donc, voici le processus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à communiquer avec l'école PGO. Nos secrétaires se feront un plaisir de répondre à vos questions. On vous souhaite une bonne poursuite dans la découverte de notre école. Merci.